Vraiment, je pense que cette game, ça va se jouer sur les solo lanes. Parce qu'en gros, en fait, Fizz comme Kayle, normalement, ils ont l'avantage sur leur 1v1. Mais genre, tu vois, face à Trundle ou face à TF, si l'un ou l'autre fait une grosse merde, bah, ils se retrouvent vraiment, vraiment dans le mal, par contre, dans le match-up. En gros, ça va se jouer à ça. Genre, si nos solo laners font des erreurs ou pas. Et la pression des junglers. Mais genre, nous, en bot lane, sur le 2v2, à moins que d'un côté ou de l'autre, il y ait une grosse, grosse connerie. Enfin, Janna Draven contre Varus Namiq, ouais, pour qu'il y ait du kill, bordel. Bah non. Je pensais que j'allais éternuer, mais. Il est stylé, putain, il est archi stylé avec ce skin, le bac de Varus. Allez, en lane. En vrai, ce skin de Varus, je l'aime pas parce qu'en gros, le splash art, on dirait Dark Star Thresh. Enfin, il n'y a pas de différence entre les deux splash art, je trouve. Ok, nice. C'est nous qui avons la pression de wave là. Ce Janna est l'autopa. Faites pas ça en support. Genre là, absolument. Elle serait pas sur la lane, ce serait la même chose là, c'est terrible. Nice. Là, le trade il est clairement à notre avantage. Parce qu'en gros, nous on a du sustain. Après, certes, lui il a son Warlord, tu vois, mais nous aussi on a le Warlord, mais en plus de ça on a Nami. Tu vois. It's much better. Ouais, voilà, bon, c'est quand même Draven avec Thunder, avec Warlord, il va quand même heal mass, mais. Après, moi ce qui me fait peur, du coup, c'est Evelynn. Hein. Ça me fait très peur, par contre. Ok, nice, on la voit top. Très très bonne nouvelle, ça. C'est vrai, c'est un truc auquel j'ai pas pensé, mais on a Varus Nami contre Evelynn. Aïe. Ok. Ok, faut qu'on pousse ça et qu'on reset. Evelynn elle va être bot side et on va perdre les infos. Oh. Ok, il le ça. Yes. Nice. Good stuff. Alors. On va essayer de regarder ce que fait Evelynn là. Ok, elle a 200 HP. Oh, va trop vite. Viens vers moi! Pas trop vu ce que c'était wardé en tout cas, genre. Genre, en gros, en fait, genre, il me dit ça en mode je savais pas que tu l'avais, oui, mais je suis en mode en gros, dans une situation, dans tous les cas, t'es mort, t'as mieux à faire de juste rester avec moi que juste de courir en fait. En gros, si dans tous les cas, tu meurs. Autant rester dans une situation où, dans le doute, peut-être que ton support peut te sauver, tu vois. Plutôt que de te mettre dans une situation où, dans tous les cas, tu meurs. En vrai, ça va, c'est Janna qui a eu le kill, c'est pas Draven, donc ça va pas casser notre lane, mais. Après, il a un abatteur, quoi. Et Draven, il va sûrement revenir avec une pioche. Et Mid, il se fait pisser dessus. Il se fait lourdement bolosser et top, ça a pas l'air de forcément un snowball de ouf. Aïe. Donc ça veut dire qu'on va se taper
Evelynn et TF en bot lane une fois qu'ils auront leur ultimate, ça va être fun. Tu mettais ton Z sur Janna, ça le healait? Oui et non, dans le sens où ça l'aurait heal, mais le travel time aurait été énorme. Par contre, la Draven tu heal. Putain, mais c'est quoi ces AD carry, genre? Nice. Vas-y, tap, t'inquiète. J'ai le W, hein, je le garde, genre, si jamais... Ok, Janna va aller chercher le kill. Nice. Elle est broken cette maîtrise Warlord, j'aimerais tellement qu'il la supprime. C'est une aberration, vraiment. Vas-y, Kubo, fais-le. Genre, ça turn tellement de situations qui devraient pas être turn. Ça permet tellement à des AD carry qui devraient back de ne pas back. Je trouve ça ridicule. Voilà. Ouais, je la trouve, ouais. Genre, je trouve vraiment que c'est une maîtrise qui est ultra unbalanced, quoi. Enfin, comparé aux autres, honnêtement, je la trouve limite. À la limite d'être aussi broken que Courage du Colosse. Franchement, ça n'est pas loin. Ouais, le truc, c'est que c'est quand même très exclusif, tu vois. En gros, dehors des AD carry, il y a très peu de champions qui l'utilisent, mais sur les AD carry, je trouve ça ridicule, en fait. Ça t'apporte tellement pour juste une keystone, c'est. C'est assez insane. Oh! Ah non, il est mort. T'inquiète, t'es safe, ton top laner était le meilleur druid ward à une époque. Ouais, est-ce que c'est vraiment lui? C'est la question. Enfin. Voilà, je peux pas communiquer mieux, genre. Sans rien, en gros, là, il push la lane et j'aime pas trop ça, genre. Non. C'est pas comme ça que tu gères le trade contre un TF, Fizz. Tu utilises pas ton E tant qu'il gold par... tant qu'il utilise pas sa gold card. Ah oui, c'est vrai que t'as fait ultimate pour le Zac. Il a raison, my bad. C'est mon erreur. C'est vrai, j'avais oublié qu'il a ultimate pour le Zac. Oh merde. Bon, on va se taper une Evelynn soon, ça c'est sûr. Ok, non, Evelynn est top. Ok, nice, c'est ok. Tev devrait pas tarder à avoir son ultimate aussi. Après, nice, nous on est 6. On a mis masse dégâts là-dedans. Hein. Aïe, petit coup de tour qui m'a pas bien. Parce qu'en gros là, il y avait même pas besoin. Oh, TP. En gros, j'ai ultimate en mode il y a probablement aussi TF et faut que je zone le TF de venir. Parce qu'en gros, si Trundle forçait là après sa TP, genre il venait et il forçait absolument avec le pilar et tout, ça nous mettait dans une situation de merde avec le TF qui arrive après pour peu qu'il y ait Evelynn qui traverse la map. J'ai voulu la jouer safe ulti cache. Ah non, mais je sais pas quand c'est le Janna. Je peux pas survivre malheureusement. Ouais. De toute façon, il y avait Evelynn à la réception donc bon.
Ça va, TFTP, on fait 2 pour 2, ils ont utilisé tous leurs summoners. C'est ok. Ouais, ce qui est chiant, c'est que ça met un double kill sur TF qui était déjà très très bien. Ça c'est chiant, mais bon. Avec justement le TF qui hardstomp la mid lane, on va pas pouvoir la gagner si on joue safe en bot lane. Bon, c'est nice, le Varus gère bien. Varus est un bon joueur, c'est une bonne nouvelle. Ah, fait chier, ma bulle aurait pu être mieux. La bulle, si j'avais mis un tout petit peu sur la droite, genre en gros, je pouvais large CC Janna et Draven en même temps. Et genre, on aurait potentiellement pu les 2v3. Parce que du coup, Draven aurait été beaucoup plus haut, on aurait tué beaucoup plus vite. Et donc, du coup, on aurait pu turn TF potentiellement. Ça peut être mieux de ma part. Enfin, que j'oublie ma retrinket, mais bon. Ouais, on a la tour normalement. Avec Janna top. Oh merde, il y a TF. Pas lui. En plus, on peut pas vraiment le one shot avec son staff. Là, là, là! Nice. Toi, arrête-toi avec Janna. Ok. Il y a le ticket à revenir. Nice! Solide. Et on a le First Blood Tour là-dessus. Et même un second dragon. C'est GG. Ok, ça va, nice. Il doit être deg. Varus doit être deg là-dessus. On peut choper ça, je pense. Ah, quoi que non, faut back. Ouais. Non, 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 non. B, please. Dommage, t'aurais continué ton Mac? T'aurais pu. Porte. Potentiellement. Yep. Ah! Là, on est sur une question. Si. Ah! Item broken. Mais très bien contre TF, sachant qu'on a Darius. Ouais, non. Ah, plutôt jouer les teamfights. Théoriquement, la gold card, on va pas pouvoir la stop, mais on va pouvoir à la tempo. Genre, si jamais il commit pour aller mettre la gold card sur Varus, on peut genre ultimate, rédemption, tout ça pour tempo le temps que la gold card passe, tu vois. Et après, on fera le Mikael. On fera. Évidemment, on va faire les deux, hein, vous inquiétez pas, c'est pas la question, on va faire les deux, ça c'est sûr. C'est un mode lequel on fait en premier. Et après, ce qui est bien avec la rédemption, c'est que ça me donne 400 PV avec. Là où Mikael, ça me donne pas tant de stats que ça, tu vois. Après, ce qui est bien, c'est que le Mikael donne 20% de shield et heal en plus, tu vois. Là où le Mikael, c'est que 10%. Donc bon. Ok, TF top. Nice, TF top, elle fait quand même un kill. Ok, on va plutôt mettre la pique là du coup. Dommage. Le bruit que ça a fait son ultimate, what the fuck? Oh lui. Oh, Fizz il meurt pas de Evelynn. Je sais pas ce que fait Evelynn, mais. Parce qu'elle était pas top. Il n'y a que TF qui a un RCC, donc OZEF. En vrai, moi je vois pas forcément ça comme ça.
Je vois plutôt ça en mode, justement, en gros, la seule menace que peut avoir Varus, honnêtement, c'est le TF qui gold card avec Evelynn qui vient de burst, tu vois. C'est la seule menace que je vois aller sur la tête de mon Varus. Du coup, je suis en mode, si je fais un Mikael, et bah, il a plus de menace, tu vois. Mais je suis en mode, en vrai, c'est une menace qui peut être négligée par... Ah putain, on perd la tourmine comme ça. Vas-y, chasse-moi. Viens me chasser. Viens, viens, regarde. Oh, ok, flash tunnel. Nice, une en moins. Normalement, lui, il meurt pas. Solide. Ouais, il pourra jamais l'avoir, c'est une Janna. Avec Zac, tu ne chopes pas Janna, ça ne marche pas. Un dragon des océans nous met bien quand même. Zac il est très YOLO. Moi je suis en mode, j'essaye d'aider mes potes et en même temps j'essaye d'esquiver les cartes. Terrible. Ok, Bacon. Tu veux continuer? Ok, allez, allons-y. Et gridons ensemble alors. Mais c'est un axe. Ah, quoique en vrai, non, l'ulti d'Evelynn est long. Enfin, le CD de l'ulti d'Evelynn est long, donc normalement on est tranquille. Je vais peut-être devoir donner ma vie pour Varus. Non. Ok, Bacon ensemble. Recule avec nous, Varus. Mec, le dragon des anciens, ça nous met tellement bien. Ah, oh. Dommage. Voilà pourquoi c'est important dans ce genre de situation de back toujours enfin full stacké en équipe. Ça évite que voilà la Evelynn ait des pick-off gratuits comme ça. Oh, la non-chance de Eve, elle doit être deg. Là. Ok, on va faire les bottes de CDR et on va partir sur Mikael. Oh. Regardez s'ils ont regardé par là-bas. TF et Noraptor. Enflure. Je trouverai ma voix. On va pas trop traîner, hein, j'ai pas de backup ici. Après ça, Evelynn elle le sait pas donc elle va pas tenter de me catch. Ouais, c'est nice, on a deux très très bons carrés à pile, genre que ce sont Kayle et Varus. C'est des carrés qui font pas mal de dégâts, donc on va avoir beaucoup d'utilité dans cette game, c'est nice. Tu peux use la rédemption lorsque tu es mort, c'est vrai, n'oublions pas. Nice, bon catch. Go là-haut. Tac, on va mettre le pic ici. Oh, free kill. Nice. Du coup là-dessus on prend une T2 hein. Draven est bot hein, donc ils pourront jamais fight. Non, camp ici, camp ici, camp ici, camp ici, camp ici. Voilà, regarde.
Ah mais non, dommage. Ils l'ont vu. Ils nous ont vu passer dans le buisson. Sophies. Oh! Bah c'est parti ça! Let's go! Oh, comment lui a-t-il mis? Ok. Ils sont même pas venus nous fight là. Et on va rester avec Darius du coup. Oh what? Oh, oh le seigneur! Merci à toi mec, Ken Prodigy bro pour ton sub. Merci beaucoup mate, tu l'as. Oh là là. Et deux dragons infernales. Ça met tellement bien ça. On est tellement bien dans cette game. Deux dragons infernal, le baron Nashor, Varus Feed, Kayle bien dans la game. Maintenant en plus on a Mikael. Ouais non je vois pas comment on la lose maintenant. C'est impossible. Ouais, en gros je précise souvent comme ça parce que c'est en mode j'ai beaucoup d'AD carry, quand je fais le Mikael, je mets le Mikael pour les sauver, mais ils sont en mode oh bah je suis stun, bah, je suis mort et ils arrêtent de jouer tu vois. Et en gros ils regardent leur écran, ils sont en mode mais attends je suis pas mort là. Et du coup ça me déçoit souvent, donc maintenant je fais attention, genre dès que j'achète le Mikael je ping 10 fois pour que le mec comprenne. Oh mec, oh le fils, le manque de respect, putain c'était tellement interdit de dire ça, il se fait déboîter en lane genre. Après c'est vrai qu'il a pas non plus été inutile, en vrai il a fait des catchs qui, il a fait des catchs qui nous ont mis plutôt bien. Bon, vu qu'il se heal tout seul, je vais me heal moi-même. Hein. Mon dieu, le respect. Ouh! Nice! On a fait un putain de taf avec notre petit père Varus, ça fait plaisir. Il y a eu l'early game qui a été un petit peu glissé. Mais Raven a encore plus glissé pour une raison inconnue donc. Tant mieux, tant mieux. Putain de merde. Il a mis un bon paquet de dégâts. Hein. Le mélange de DPS, poke de Varus quand t'es bien dans la game, ça carry de ouf. Nice, solide. Et en plus, il est 16h15, donc on a large le temps d'aller d'aller faire une game d'AGP. Solide. On va juste check. Ok, nice, le premier token. Mickaël, puisque SS, je suis pas sûr que c'est good tout ça. Oh si, si, t'inquiète pas, mec, t'en fais pas. C'est jamais gâché. Alors, c'est parce que ton ADC fait une QSS que Mickaël était un mauvais choix. Mickaël, c'est très très fort. Et surtout que, genre, y a pas que le Varus que je peux Mickaël, tu vois. Genre, y a la Kyle aussi que je peux Mickaël, y a le Fizz que je peux Mickaël, etc. Donc, non, c'est pas. C'est vraiment, vous dites pas en mode mon ADC une QSS, du coup, je le fais pas.